Eh bien, nous voici de retour au GLPP avec Jacques-Laurent Hamard. Ça va, Jacques-Laurent ? Je vais vous faire super bien, en bonne compagnie. Blanche. Et ton prénom ? Lakota. Tu t'en souviens ? Bah oui. Très bien. D'un Amérindien. Et Bob Martin, ça va, Bob Martin ? Impeccable, Jacqueline. Applaudissements pour Bob Martin. Donc toi, tu sors un livre qui s'appelle « Quatre garçons dans le vent ». Dans le vent, absolument. Hein ? Un livre consacré aux Beatles. Tu l'as dit. Je l'ai dit et je le pense. Alors avant, tu étais un fils de pub, c'est ça ? Absolument. Oui, tu es tombé là-dedans par hasard ou par hasard ? Les trois, mon général. Très bien. Non, bah, c'est-à-dire que j'ai fait des études supérieures en faculté, puis qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un doctorat ? Rien du tout. Je suis tombé sur un article qui vantait les mérites du concepteur-rédacteur, avoir de l'humour, de la culture. C'est un peu toi, tu t'es reconnu là-dedans. Voilà, et donc je suis devenu concepteur-rédacteur dans la publicité. Alors tu es lu et entendu par des millions de personnes. Absolument. Oui. C'est l'avantage qu'on a dans la publicité, c'est qu'on touche le monde entier. Alors, tu es donc créatif en agence, c'est un mot un peu pompeux, non, créatif ou... Non, pas du tout, c'est parce que tu es un créateur. En plus, les créatifs, nous sommes deux, nous avons les gens qui s'occupent des images, les directeurs artistiques, et les gens qui s'occupent des mots, les concepteurs-rédacteurs. Tu es également concepteur-rédacteur, toi, non ? Moi, je suis que concepteur-rédacteur. Ah, tu es que concepteur-rédacteur. Voilà, les concepteurs-rédacteurs écrivent, trouvent des concepts, concepteurs-rédacteurs. Alors, tu conçois et rédiges des campagnes qui vendent du rêve. Absolument. Ouais, t'en étais conscient ? C'est Cocteau qui disait la publicité, c'est un mensonge qui n'a jamais été révélé. Oui, et je trouve ça magnifique, absolument. On vend du rêve parce qu'on vend des choses qui servent strictement à rien. C'est bien de le dire. Et les gens réussissent à les acheter, d'où le talent. Oui, non seulement dans le talent, mais tu vends du superflu et des mensonges. Enfin, c'est toi qui le dis. Absolument. Oui. Et t'en es fier ou t'en es... Non, c'est ce qui m'a donné envie après sur le tard d'écrire des livres. Tout ça, d'accord. Okay. Faire autre chose, absolument. Ouais. Ok. Alors, une activité qui, pour beaucoup, représente la face honteuse, la face cachée de la plume. Oui, c'est un jeu de mots qui est pas mal. Oui, c'est pas mal. De la lune, ouais. C'est juste pour le jeu de mots ou... Oui, non, mais en même temps, oui, c'est vrai que les gens ne connaissent pas la face cachée d'écriture publicitaire. Et alors, en regardant de près le travail que tu faisais, les points négatifs, tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même des points positifs. Quels sont les points positifs ? Les points positifs, quand on est concepteur-rédacteur, c'est de s'asseoir 7 heures par jour à son bureau et écrire. Oui. Quoi qu'il arrive, il faut écrire. Écrire. Vendre l'émission de Jackie, vendre une voiture, vendre n'importe quoi. Il faut trouver des idées. Mon émission n'est pas n'importe quoi, Bob. Absolument, c'est pour ça que... C'est pour ça que tu l'as dit. Absolument, c'est pour ça que je suis content d'être ici. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, concepteurs, on est capable d'écrire. On peut faire 20 pages sur une chaise, on peut faire 15 pages sur un chien qui pisse sur un lampadaire, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pondre. Comment tu es passé de la pub au roman ? Parce que je trouve que les dernières années, je m'enquiquinais un petit peu. En plus, c'est quand même la jungle, ce métier, c'est très, très dur. Oui. Et je me suis dit, quitte à écrire, autant que ça m'intéresse. Quelque Donc, chose. Tu as quitté le monde de la publicité ? Absolument. Oui, depuis combien de temps ? Ça fait à peu près 10 ans. Ouais. 10 ans, voilà. D'accord. Alors, tu as sorti un livre qui m'intrigue beaucoup, je ne l'ai pas lu, qui s'appelle « Neveu d'Hitler ». Absolument. Est-ce que le neveu d'Hitler était connu, inconnu ou... Alors, neveu d'Hitler, ça part d'un pitch. Hitler avait une petite sœur, vraie, parce qu'il a eu beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs. Il avait une petite sœur qu'il adorait et qui restait vieille fille. Et je suis parti de l'idée, et si un jour, elle s'était fait engrosser par un homme de passage ? Et en plus, cet homme de passage a tout l'air d'un juif. Et donc, elle accouche d'un enfant qui a tous les traits d'un petit juif de l'époque. Très bien. Et c'est le neveu d'Hitler. Et le neveu d'Hitler va travailler dans le restaurant du demi-frère d'Hitler. Oui. C'est vrai, à Berlin. Et un jour, il oublie son Ausweis en or. Il se fait attraper par la Gestapo. Il se fait torturer. Il a beau dire « je suis le neveu d'Hitler », mais bien sûr. Oui. Et donc, il est envoyé directement en camp de concentration à Auschwitz. Et c'est une description de l'intérieur comme... Ça n'a jamais été écrit dans un roman. Il y a un livre aussi qui s'appelle « Aller simple pour Madagascar ». Donc là, c'est pareil. C'est comme je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale, c'est le plan Madagascar. Si Hitler avait gagné sur le front Est... Ah, tu es passionné de la Seconde Guerre mondiale, oui, absolument. Oui. S'il avait gagné sur le front Est, il avait le plan Madagascar, qui avait été échafaudé par la SS, qui était de déporter tous les Juifs d'Europe centrale et de l'Ouest à Madagascar. Oui. 4 millions de Juifs auraient pu être déportés à Madagascar. Simplement, comme il a perdu sur le front S, ça ne s'est pas fait. Moi, je suis parti, c'est ce qu'on appelle une uchronie. Oui. What if ? Et si jamais les Français avaient gagné en 1940 oui. okay. Et si jamais Hitler avait, voilà. Si jamais, Donc voilà, et c'est inventer ce qu'auraient pu devenir les Juifs dans les réserves à Madagascar. Et après, c'est une histoire d'amour, parce que le héros s'échappe avec une femme. Très bien. Et c'est la traversée de la jungle malgache que personne ne connaît. Donc, non.
que tu connais, toi ? Non. Non plus. D'accord. Merci. Bon, on Google. Va dire quand même à Quel garçon dans le vent. Voilà. Alors, c'est, tu t'appelles ça, le sous-titre, c'est le roman des origines, 1960-1963. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu es né en 56, on peut le dire, parce que c'est important. Absolument. Donc, tu n'as jamais connu les Beatles. Absolument. Et quand on lit le bouquin, on a l'impression que tu connais les Beatles, mais comme si tu les avais rencontrés, comme si tu avais vécu avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il y a derrière plus. Il y a une centaine d'ouvrages lus. Oui. Des centaines. C'est incroyable, c'est une véritable enquête que tu as menée. Et j'étais. Enfin, c'est un compliment que je te fais. Ah, bah absolument. Parce que moi, tu suis fan des Beatles. J'en ai la chair de poule. Je, oui. je trouve ça génial. C'est comment tu as réussi après, j'ai visionné des centaines d'heures de vidéos aussi. Je suis gros fan. Et puis, c'est le fantasme absolu. C'est-à-dire que. Bah, les Beatles, ils étaient tellement vus, tellement aimés. Bon, bah, ils font partie de mon univers. Et le fantasme absolu, c'est de se créer un personnage qui vit avec ces gens-là. Ouais. Et donc, les parties les plus plaisantes, c'était des pages de dialogue que j'ai avec c'est John, incroyable. Avec Paul ou avec George. Alors, là où je trouve ton idée géniale, c'est que tu crées un personnage qui s'appelle Christian Le Frenchie. The Frenchie, hein. Voilà. Alors, qui est Christian Le Frenchie? Alors, enfin, moi, je sais, j'ai lu le bouquin, mais explique. Frenchie, alors, moi, Frenchie, ça vient, moi, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis, et comme j'étais français, on m'appelait tous Frenchie. Mais c'est gentil, hein, c'est pas péjoratif. Oui. Et donc, bah, là, c'est un étudiant qui, en deuxième année à la Sorbonne, a décidé de prendre une année sabbatique. Oui. Et il va à Liverpool, dans une école, où il est assistant, c'est-à-dire, il donne des cours de français. Alors, les Beatles sont nés à Liverpool, les filles. Et il se trouve c'était l'école où avait été Paul McCartney, George Harrison et surtout Neil Aspinall. Oui. Et Neil Aspinall, son papa, c'est un copain du père de Christian, parce qu'il a fait la guerre. Moi, je sais qui est Neil Aspinall, il faut que tu l'expliques. Alors, Neil Aspinall, c'est un étudiant à la base, un lycéen, un copain. Il était attaché de presse des Beatles, entre autres. C'était plutôt le Roddy. Le Roddy. C'est-à-dire qu'il les emmenait. Après, il est passé attaché de presse quand même sur la fin. Oui. Non, il est devenu directeur d'Apple. Oui, directeur d'Apple, c'est vrai. Voilà. Tu as raison. Donc, au départ, comme ils ont des petits concerts à droite à gauche, ils les emportent, les emmènent avec la voiture. Enfin, voilà. Puis après, c'est incroyable, ça. Ils ont de plus en plus de concerts. Et le Frenchie dit à Neil, achète un van, qu'est-ce que tu t'enquiquines? Et puis, on partage. Tu fais tel jour, moi je fais tel jour. Et donc voilà, c'est toute l'histoire des Beatles qui se passe aussi beaucoup à l'intérieur du van. Parce que tu as des dialogues, tu as des pages de dialogues. Ah oui, mais c'est incroyable. Les notes se confient et voilà. Alors pourquoi tu as pris cette période 60-63 ? Parce qu'elle est plus simple, déjà au niveau musical, même si effectivement je prends la peine de décrire chaque chanson enregistrée, le nombre de prises, le nombre de mauvaises prises, etc. Oui, c'est après, c'est trop. Ouais. Créatif, ça prend trop de temps, les Beatles. C'est ils trop ont important passé... pour toi, c'est ça trop... bah, c'est-à-dire que le premier 33 tours, ils ont mis 24 heures pour l'enregistrer. Oui, Sgt. Pepper, ils ont mis 6 mois. Oui, donc c'est compliqué sur un livre de parler 6 mois d'enregistrement. Alors que le premier album, t'en parles, oui. Non, absolument. C'est vrai. C'est incroyable. Alors, ton album préféré des Beatles ? Alors, j'étais sûr que tu me poserais la question. Je les aime tous, même les parties, aussi, mais même les premiers. Après, j'ai un petit faible pour le blanc qui est d'une richesse. Oui. Phénoménal. Double album blanc. Oui. Même si c'est le début de la fin des Beatles. Oui. Alors, tu n'as jamais vu les Beatles sur scène ? Je n'ai jamais vu les Beatles sur scène. Un grand regret. Oui. Absolument, absolument. Parce que moi, l'avantage que j'ai sur toi, je suis très vieux, donc j'ai vu les Beatles sur scène. Mais en même temps, aucun intérêt d'aller voir les Beatles sur scène. Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut savoir, ils jouaient 25 minutes. Oui, mais c'était bien quand même. Hein. Tu dis ça parce que tu les as pas vus. Le matériel était tellement mauvais qu'ils s'entendaient pas chanter et les cris des femmes rentraient dans les micros. Non, mais le public chantait pour eux, c'est pas grave. Après, c'est une communion, t'as entièrement raison, c'est extraordinaire. Donc l'intérêt, c'est de les voir en vrai quand même. Absolument. Moi, j'avais 17 ans quand je les ai vus, excuse-moi. Je t'envie, c'est magnifique. Voilà, quand même. Magnifique. Pourquoi 25 minutes si je peux poser la question ? Parce qu'il y avait beaucoup de groupes avant. Oui, c'est ça. Oui. C'était à l'époque où il y avait plein de groupes qui passaient, et quand ils démarraient, c'était pas des vedettes, les Beatles. Donc il y avait plein de groupes comme ça, donc chaque groupe jouait 25 minutes. Enfin, les groupes, c'était quand même les Who, les Kings, les Animals, que moi j'ai vu à Londres avec les Beatles, donc c'était pas grave, ça durait que 25 minutes. T'avais une affiche, comme ça. T'avais Ray Orbison, enfin. C'est incroyable. Voilà, en tout cas, bravo. Ben, merci. Ah oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ben, voilà. C'est, en fin de compte, le livre que j'aurais voulu lire, c'est aussi bête que ça. Tu as fait le livre que tu cherches. Absolument, c'est aussi simple que ça. Voilà. J'en ai lu plus d'une centaine. Et bon, il y a très peu de romans, en fin de compte. C'est vrai. La majorité des livres. En plus, il y a très peu de livres écrits par des Français. Hein, sur les Beatles, je veux dire. Très peu. Ah oui. Alors, ça s'appelle Quatre garçons dans le vent. C'est chez PubliWiz, absolument. Oui, c'est une petite maison. Voilà. Il est sorti récemment ? Il est sorti en septembre. En septembre, bon, on dit récemment, quoi. Voilà, absolument. Bon, les filles, vous aimez les Beatles ? Oui. Bon, voilà. J'ai été visiter le musée des Beatles à Liverpool. Ah, tu as visité le musée des Beatles ? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a pensé ? C'était incroyable. Ouais. J'avais 16 ans et c'était incroyable.
Ouais, ça t'a marqué ? Ouais. Ouais. Génial. Ouais. Tu sais, je suis allé au Star Club à Hambourg, moi. Ah ouais. Ouais. Alors, le Star Club à Hambourg, c'est la ville où ont débuté vraiment les Beatles. Mmh. Hein, c'est un club qui s'appelait le Star Club. Ouais, ouais. Extraordinaire. Toi, j'ai de l'avance sur toi. Hein. Ah oui, ça, chapeau. Bon, bah merci, ah ouais. Bob. Merci, Sophie. Ça va, les filles ? Bah oui. Blanche et ? Lakota. C'est bien, t'as pas changé de prénom. Pas. Donc vous, c'est Panique à Noël. Panique à Noël, c'est ça, ça. Alors vous jouez pas dans un théâtre, en fait. Vous jouez où ? Non, pas cette année, non. Ça... Non, mais alors tu joues cette année, Blanche. Là, on va jouer dans les écoles. Oui. Vu que les programmations en théâtre sont très compliquées en ce moment, depuis les confinements, les Covid, voilà, les théâtres sont un peu blindés au niveau des programmations. Oui. Donc on s'est dit, bah, autant aller jouer dans les écoles et jouer pour les élèves. C'est très bien, c'est une bonne démarche, je trouve. Donc toute cette année, c'est dans les écoles. Et puis l'année prochaine, on espère... une programmation. Alors, vous avez créé une compagnie qui s'appelle Chaque Instant, c'est toi qui l'as créée ? Oui, je l'ai créée. Tu es très jeune, hein ? Quel âge as-tu ? Je peux demander ton âge. J'ai 27 ans. 27 ans. Alors, tu l'as créée en 2019, c'est ça. Mais pas seule. Une fille qui s'appelle Chloé, c'est ça ? Oui, voilà. Qui est ma meilleure amie. Ouais. Alors, pourquoi Chaque Instant ? Pourquoi tu l'as appelée Chaque Instant ? Parce que c'était... Alors, on a cherché plein de noms et c'est vrai qu'on s'est positionné sur Chaque Instant. Sur Chaque Instant. C'était l'instant. Quoi. C'était l'instant. Ça. Alors, cette compagnie a pour but de travailler pour des spectacles pour enfants uniquement, jeune public ? Non, alors pour l'instant, on a fait du jeune public parce que on a monté, en même temps qu'on montait la compagnie, on montait le premier spectacle et on a commencé par du jeune public. Après, j'aimerais faire du public pour plus adulte. Alors, vous êtes combien dans la compagnie ? Tu fais partie de la compagnie, Blanche ? Oui. Quel est ton rôle ? Alors, j'étais metteur en scène donc sur le premier spectacle. À la recherche des contes oubliés, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est quoi ce spectacle ? C'est un spectacle en interaction avec les enfants ? C'est ça. C'est-à-dire ? Et en fait, c'est deux conteuses qui viennent dans les écoles et qui racontent des contes étrangers. Donc, on a différentes versions de contes que nous, on connaît, mais que, qui sont étrangers. Donc, on a la version Le Petit Chaperon Rouge, c'est la version de Corée. Oui. C'est bien, c'est original. Et du coup, en fait, les enfants choisissent un conte et du coup, on leur raconte. Et ils doivent trouver à quel conte originel, quel conte nous, qu'on connaît. Quoi. OK. Donc, Et toi, Blanche, qu'est-ce que tu faisais tu l'as mis en scène, c'est ça ? Voilà. En fait, donc, elles l'ont créé à deux, elles l'ont écrit à deux. Et elles avaient besoin d'une directrice, une direction d'artiste. Elles ont fait appel à toi, Blanche. Elles ont fait appel à moi. Et du coup, ça s'est tellement bien passé que tu continues avec elles. Je leur ai proposé Panique à Noël. Elles ont dit oui. Alors, pour votre nouvelle création, justement, Panique à Noël, vous aviez donc envie d'approfondir ce concept ? C'est ça. Alors, la question, c'est comment inscrire les enfants davantage dans l'imaginaire du récit, c'est ça ? Ouais. Vous avez réussi ? Oui, dans l'histoire. Comment vous avez fait ? Et quand j'ai écrit ce spectacle... Ah oui, tu es autrice de Panique à Noël. Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait vraiment à continuer dans ce côté interactif. À la recherche des contes oubliés, les enfants interagissent au début et à la fin des contes. Oui. Mais là, je voulais qu'ils interagissent dans l'histoire. Comment eux aussi, assis, ils participent à l'histoire et ils deviennent pendant le spectacle. C'est-à-dire qu'ils vous coupent la parole ? Ils vous coupent la parole ? Les enfants, si vous leur demandez de parler, ils parlent. Hein. C'est le but aussi, ils font partie du spectacle. Oui. Et donc, à chaque scène, ils ont un choix à faire. D'accord. Voilà. Et vous adaptez d'après ce qu'ils vous disent. Donc, ils ont plusieurs choix et ils doivent décider... ce qui va se passer. C'est incroyable. Le public, c'est quoi, 5-12 ans ? C'est ça, ouais. Bon, après, jusqu'à 77 ans. Après, c'est familial. C'est familial. Alors, donc, il vous fallait trouver un concept un peu original, c'est ça ? Vous l'avez trouvé. Donc, la thématique la plus évidente, c'est celle de Noël. Ouais. Pourquoi, Blanche ? Mais moi, j'adore. Je m'adresse à l'autrice. Moi, j'adore Noël. C'est le moment où vraiment je reviens en enfance. Je suis une grande enfant de toute façon. Oui. Et en fait, j'étais confinée chez moi. Après le premier confinement, parce que j'étais opérée du genou, j'étais chez moi, j'avais très chaud. Et j'avais besoin de frais. D'accord. Et je me suis dit, il faut quelque chose. Et j'ai dit, mais pense à Noël, il fait froid, tu râles tout le temps à Noël. Alors donc tu as écrit ça pendant le deuxième confinement, quoi. Voilà, à peu près. Ouais. Alors vous avez fait appel à une illustratrice. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on voulait Blanche avait l'idée d'avoir des animations. Et il se trouve que ma meilleure amie du collège est illustratrice. Donc, on a fait appel. D'accord. Donc, sur scène, le décor, c'est quoi, sur scène ? Alors, c'est une structure avec un énorme écran blanc. Ouais. Où, du coup, ça nous permet de projeter les fonds de scène, donc les décors pour nous. Oui. Avec quelques accessoires un petit peu sur les côtés. Et, du coup, des animations qui sont peu faisables ou très compliquées à faire. Par exemple, le traîneau s'envole.
Oui. Comment on fait ça sur un plateau? Oui, bah comment donc, tu le fais alors, Blanche? Eh bien, on a fait appel à l'illustratrice. À l'illustratrice et un motion designer qui vient animer toutes ces illustrations. Qu'est-ce qu'un motion designer en français? Un motion designer, alors en français, je peux donner la définition, mais le mot, c'est bah, facile, ça existe. Vas-y. En fait, c'est quelqu'un qui travaille sur les logos, les affiches et l'animation des logos, en fait, des pubs, des choses comme ça. Ah, ok. Et donc, on a eu la chance d'avoir quelqu'un de très bien pour nous faire, en fait, il a pris les illustrations, les dessins, et il a tout animé. Il a créé des squelettes, en fait, etc. Et du coup, ça bouge. Alors toi, tu fais Maman Noël, c'est ça, hein, le personnage. Ouais, et toi, tu fais le lutin. Lutin. Très ça. Bien. Alors, le pitch, le 24 décembre, une seule personne sait rendre cette nuit magique et inoubliable, le Père Noël, mais il est malade, c'est ça, hein? C'est ça, et oui. Alors, comment faire la tournée des cadeaux, Blanche? Comment on fait? Ben justement, c'est la panique. C'est la panique à Noël, alors explique c'est un la peu. Panique. Et ben, du coup, en fait, Mère Noël arrive devant Lutin en lui disant « c'est la catastrophe ». T'es habillé en Mère Noël, toi? Je suis en Mère Noël, voilà. Gros tutu rouge. Ah ouais, ben, ça va être sympa, gros tutu rouge. Voilà. Et du coup, ben, en fait, il décide d'y aller. Donc, il faut choisir entre Lutin ou Mère Noël, qui va faire la tournée des alors, cadeaux. Ce sont donc les enfants qui vont trancher. C'est ça, voilà. C'est les enfants qui choisissent d'ailleurs. Souvent le Mère Noël ou Lutin, ou ça peut varier. Ça varie, ça dépend. Alors par exemple, c'est dit, c'est le Lutin. Toi, tu t'en vas? Comment ça se passe? Oui. Bah moi, je vais derrière. Donc en fait, c'est celle qui ne joue pas à d'autres personnages. Oui, c'est bien ça. Sûr. Oui, mais celle qui joue pas reste 30 secondes sur scène, quoi. C'est ça? Non, il y a d'autres scènes. On joue quand même. Non, mais et en fait, du coup, celle qui ne joue pas peut faire la régie derrière. Donc on lance toutes les animations, ce genre de choses. Alors les objectifs du spectacle, c'est développer son imaginaire. C'est ça, la réflexion des enfants. Ça, c'est très important, non? Améliorer la capacité à faire des choix, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, dans la précipitation ou dans le stress, on doit prendre la décision. Oui. Et vite, il faut qu'ils prennent la décision, qu'ils prennent la parole, donc ils assument aussi le choix qu'ils doivent faire et qu'ils doivent décider. Et ouvrir les enfants à la culture, ça très bien, à travers le théâtre. Ouais. Oui, ça, et du coup, les animations, l'art aussi. Visuel, c'était important de mélanger aussi les arts. Ouais. Pour vous, c'est important? Oui. Ouais. OK. Alors, il y a des activités autour du spectacle. Lesquelles? Eh bien, on a, par exemple, dans les entreprises, on a lancé la possibilité de créer des animations en tant que personnage. Donc, Mère Noël, Lutin et donc la troisième comédienne, Nounours. On a une petite photo de Morgane qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oh, voilà. C'est le troisième personnage. C'est Morgane Lafont qui joue Nounours. Ouais, ah, voilà. C'est donc Nounours. Voilà, voilà Morgane Lafont. C'est Nounours. Très bien. Et donc, on peut animer. Parfois, il y a les entreprises qui créent des cadeaux pour les enfants, etc. Donc, on est là. Oui, il n'y a pas juste le spectacle. Il y a l'avant et l'après-spectacle. Voilà, des photos, des choses comme ça. Très bien. Alors toi, Blanche, tu t'appelles Blanche Del Cero, c'est ça? C'est ça. C'est italien ou... Espagnol. Espagnol, excuse-moi. Tu es comédienne et autrice. C'est ça. Hein, tu prends des cours de théâtre, à quel âge? Quand tu es venue en stagiaire à IDF1, tu prends déjà les cours de théâtre non, à 14 ans? Non, j'ai commencé à 16-17 ans le théâtre, j'ai commencé assez tard, j'étais au lycée. Enfin, 16-17 ans, c'est pas très tard non ça plus. Ça va, ça va. Mais je connais, comme je donne des cours pour les enfants qui ont 5 ans, je suis là, waouh, comment et en parallèle, tu as une licence de cinéma-théâtre. Ouais, à la Sorbonne Nouvelle. Ouais, et ça te sert Ça me sert au niveau de l'historique, du contexte, de la technique un peu, mais c'était très technique comme cours, c'était l'histoire du théâtre, etc. Donc c'est très important, d'accord. La culture. Et après, je suis partie dans une école professionnelle de pratique théâtrale. Alors, tu te mets à l'écriture collective. C'est quoi l'écriture collective? Et la direction d'actrice? Tu écris avec plein de gens, c'est ça? Oui, j'avais participé dans d'autres compagnies. En fait, on avait créé des spectacles où on était plusieurs auteurs. Oui. Et c'est de la création au plateau, en fait. Donc, on part d'une improvisation, d'une idée. Oui. Les comédiens jouent, le metteur en scène donne des idées. Et on écrit, en fait, un spectacle comme ça. En équipe. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien. Tu co-organises une intervention théâtrale dans le Congrès national des soins palliatifs. Oui, c'était, j'ai une amie qui travaillait en tant que psychologue dans les soins palliatifs. Oui. Et elle m'avait demandé, avec plusieurs comédiens, dont Chloé Squarcioni, de participer, en fait, de créer des petites scènes, des petites interventions avant les colloques. Oui. Et donc, on a eu la chance de jouer au Palais des Congrès. Et tu participes aussi aux journées Handipartage de la ville de Courbevoie. Oui, exactement. Ça, très bien également, ça. Tu donnes des cours de théâtre, mais tu l'as dit déjà. Hein. Oui. Tu animes des ateliers scolaires d'initiation à la langue des signes et à la culture sourde. Oui, j'en ai fait ça pendant 2 ans. Oui. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, dans un spectacle, je jouais une jeune sourde. Oui. Voilà, une jeune c'est difficile sourde. De jouer une sourde quand tu n'es pas sourde, non? Oui, c'est apprendre la culture, c'est apprendre leur vision aussi, apprendre à voir vraiment. C'était très important que je m'immisce vraiment dans des personnages comme ça.
Et donc voilà, on a préparé des interventions autour du spectacle. Toi, Lakota, tu commences le théâtre à 12 ans, donc très tôt. Oui, très tôt. Avec quelle pièce, tu te souviens? Non. Avec du Molière. Ah oui, t'as bien démarré. C'est ça. Formation, tu te formes au cours Florent, donc ouais. T'as beaucoup appris, je suppose, au cours oui, Florent. Oui, j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai rencontré Chloé Squarcioni aussi, du coup, qui est... Tu fais le conservatoire aussi? Oui. Le concours conservateur en scène t'offre l'opportunité de jouer 2 années au Théâtre du Rond-Point, ouais. Dirigé par Jean-Michel Rive. Qu'est-ce que tu joues au Théâtre du Rond-Point? Alors, on joue des pièces écrites par les élèves du conservatoire. Et oui. En fait, c'est un concours avec tous les conservatoires et il y a 8 projets qui sont sélectionnés. Et j'ai eu la chance d'y participer 2 fois. Oui. Donc, j'ai joué pendant une semaine à c'est chaque génial, fois au Théâtre du Rond-Point. Et c'est incroyable. Tu obtiens aussi ton attestation d'études théâtrales. C'est quoi l'attestation d'études? C'est le diplôme à la fin des années au conservatoire. Avec félicitations du jury. Ouais. Tu étais ravie, non? Ouais, j'étais ravie. J'ai beaucoup plus appris au conservatoire qu'à Florent. Parce que j'ai pu beaucoup plus m'exprimer au conservatoire. J'ai rencontré des gens incroyables et des profs aussi qui étaient géniaux, qui prenaient beaucoup plus le temps qu'à Florent. Tu mets en scène aussi une pièce qui s'appelle Une nuit au poste? Ouais, c'est mon projet de fin d'année au conservatoire qui me tenait beaucoup à cœur. Oui. Qui est inspiré d'un roman de David Foenkinos, qui est un de mes auteurs préférés. Et du coup, je l'ai mis en scène avec 2 copines. Peut-être un jour, si peut-être on peut. Peut-être un jour, d'accord. Mais là, revenons à Panique à Noël, parce que j'ai des images. Oui, il y a le teaser. On va les regarder. Allez, c'est parti. Panique à Noël. Ça y est, on est le 24 décembre. Je suis toute excitée. Oh, moi aussi, je suis impatient. C'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe, Mère Noël? C'est le pépère. Non, Noël, il est malade. Mais le Père Noël est malade? Oui. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas, il est cloué au lit. Il est incapable de faire la tournée des maisons cette nuit. Ce qui veut dire que Noël doit être annulé. Non, on ne peut pas faire ça au monde entier. Noël serait trop... triste. Oh, j'ai une idée. Et si quelqu'un le remplaçait? Les jouets sont prêts, la liste des enfants et des maisons aussi. Je suis sûre qu'on trouverait un remplaçant. Oui, mais qui? Moi, je suis volontaire. Qui vient avec moi? Vous? Quoi? Moi? Mais non! Oh là là, comment les départager? Oh non, les enfants, ils râlent. On va crier tous ensemble, d'accord? Oh, j'ai eu la peur de ma vie. T'es qui? Réponds-moi. Le Père Noël. Aidez-nous à prendre cette grande décision. Il faut choisir pour sauver Noël. C'est vous, les héros de cette histoire. Panique à Noël, bien les filles. Eh bien, le JLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Alors, les filles, vous jouez où prochainement? À l'école Les Ombrages, à Brunois. À Brunois, ouais, oui. À Brunois. Très et bien. Après, on joue un peu partout en région parisienne. Merci d'être passé par le JLPP. Merci, merci. Bravo, Blanche. Bravo. Tu t'appelles comment déjà? Lakota. Bravo, Lakota. Panique à Noël. Jack, Laurent Hamard, jusqu'où va l'amour? La question reste en suspens. Il faut l'acheter pour avoir la réponse. Voilà, il faut. Voilà. Hein, c'est un peu ça? Oui. D'accord. L'autre. Merci d'être passé par le GPP. Et enfin, Bob, Martin, 4 garçons dans le vent. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, achetez le livre. Absolument, très bonne idée. Hein, j'ai une bonne idée? Pour les fêtes, absolument. Très bien. Merci à tous les 4 d'être passés par le GPP. Je vous retrouve demain à 17h30 précise. C'était donc le GPP. Super show, à demain et merci. Merci à tous. Merci.